On vient d'éteindre la lumière. Bébé succombe à son sommeil. Mais les joujoux, très en colère, dans leur placard tiennent conseil. Les joujoux font grève, ils en ont assez d'être tracassés et fracassés. Le ballon qu'on crève, la poupée qu'on bat, sont lassés des jeux et des combats. Le pompier n'a plus d'échelle, le tambour est plein de trous, le cheval n'a plus de selle et l'auto n'a plus de roues. Mais il se soulève contre cet enfant, il va voir comment on se défend. Le placard entr'ouvre sa porte, ça grince un peu, ma foi, tant pis. Et voilà que les joujoux sortent, sautant sans bruit sur le tapis. Les joujoux discutent pour savoir comment ils vont préparer leurs armements. Pour mener la lutte, un chef est nommé. C'est un vieil indien tout déplumé. Le pompier fourbit sa lance, le tambour bat le rappel. Le cheval déjà s'élance, le moment est solennel. Quittant leur cahute, ils forment les rangs. Le mot d'ordre étant mort au tyran. Le chef a dit, marchons en ordre vers celui qui nous démolit. Pour le griffer et pour le mordre, nous grimperons au drap du lit. Mais l'enfant sommeille, tendre et gracieux, comme un chérubin tombé des cieux. Devant ces merveilles, les joujoux surpris se sont arrêtés tout attendris. Le pompier dit tout de même, un bébé c'est bien gentil. Le tambour dit moi je l'aime. Alors ils sont repartis. Et quand l'enfant s'éveille vers 8h15, les joujoux sont tous dans leur